Et salut à tous, ici le marteau et nous sommes de retour pour un nouvel épisode. J'ai entendu des bruits et il me semble qu'il y a quelqu'un près de moi. Donc nous allons faire très attention. La mort peut être imminente, vous l'avez vu. Ok, on se met le bandage ici. Ouah, le mec est là. On fait le tour. Ok, le mec est rentré là. Non. Le mec est là, ok. Il est suivi par des zombies. Il m'a pas vu. On va attendre qu'il bute les zombies. Une fois qu'il aura buté les zombies, on intervient. Oh, c'était pas beau, mais on a réussi. J'ai envie de dire, c'est ça qui compte. Parce que des fois, avec... Oh. Avec la pression, des fois, on fait des choses pas très belles. Au con. Il est revenu. Ouais. On va pas le rebuter, ça serait pas beau. Je lui ai pris ses armes, il ne peut plus rien faire. On va se casser d'ici. Et nous allons dans la ville bateau. Il court vite quand même, non, le monsieur, pour un... Vous trouvez pas ? Non, peut-être pas. Ok. L'homme tout nu. Alors. On va se cacher derrière un arbre. On va se recharger les pistolets. Oh, toi, tu m'as suivi d'en bas, toi? Eh ben, t'avais faim, mon petit, hein. Hop, le pack MRE. Alors. Ok. Ok. Hop, on le recharge. On va se le mettre. Lui, on va le recharger aussi. Deux secondes. Et nous sommes de retour. Alors. J'en étais où? Ah oui, le sac à dos, le plus gros. Ok, on a deux pistolets chargés, tac tac, ça là, ça là, et voilà, ok. Allez, c'est parti. Alors, on va aller dans la ferme. Après, on ira dans la ville bateau. Et mince, attendez, je fais un petit truc, hop. Et c'est reparti. J'ai rêvé ou j'ai vu un truc? Oh, j'ai des hallucinations. Trop bon. Trop bon. Alors. Ok, il n'y a rien ici. On va aller directement dans la ville Batter. On va aller dans la ville bateau.
Ok. Alors, hop, hop, hop. Alors j'ai changé de serveur. En ce moment, je change un peu. Je suis allé sur un qui était un peu calme, il n'y avait pas de cheater. Là, je suis revenu sur le bon vieux serveur. Où il y a des cheaters, mais on sait qu'il est fun. Alors, on va voir tout ça. La ville du bateau, il y a toujours du suspense. Il y a toujours du suspense. Alors, on se dirige vers le bateau. C'est la nuit. Je pense dans 3 minutes, il fera jour. Et ce serait bien de faire une petite action un peu cool. Un peu cool. On va aller dans la pharmacie. Parce que j'ai pas forcément beaucoup. Wow. J'ai pas forcément beaucoup de stuff médical. Alors, on va aller là-bas. On va voir un peu ce qui se trame. Moi, ça me rend fou ce bateau-là. On voit de loin la nuit, on voit pas sans lunettes, sans rien. On se dit qu'il y a toujours, il peut y avoir quelqu'un qui te vise. Ok. Il y a du loot. Oh, une seringue, ça c'est bien. C'est quoi cet affolement là d'un coup? Ah, d'accord, y'a un mec. Oh putain, il est là. Oh putain. Bon, je crois que comme lui comme moi, on a eu un peu peur. Je pense qu'il est allé sur le rivage là. Je regarde le bateau du coin de l'œil. Ok. Il a buté tous les zombies là. Donc ça veut dire qu'il doit être dans le coin. Marteau, je te vois, ne me tue pas. Ok, c'est un Francer. Donc le mec que j'essaie de chasser, c'est le gars qui était sur le bord. Ok. Il me voit. Ok. Bon, ceci étant dit. Ça aurait pu être un autre gars, donc. Enfin, je veux dire, ça peut être un autre gars, donc on va quand même rester sur ses gardes. Je me rappelle plus le pseudo du mec, putain. On va voir. Je pense qu'il a dû aller là, obligatoirement, non? C'est là qu'il y a où il y a du stuff. Des vitamines.
Ok. On va mettre des points de skill, je crois que j'en ai. Le jour se lève, c'est beau. Ok, on va à la base militaire. Par la plage. Putain, un gros de zombie de merde. C'est le truc qui te fait repérer. Ok. Wildshire, ok, mais c'est pas du tout là. C'est pas du tout là où je vais. Je vais à la base militaire. Comment il a pu dire marteau je te vois alors qu'il a pas vu mon pseudo? Moi il est près de moi. Bon. Je ne sais pas. Bon en tout cas on arrive là. Regardez sur les miradors, sur les côtés. 360, toujours bien. Ah là, bien le 360. Coup de batte dans la gueule, ouais. J'en foutrais, moi. Alors, on marche en zigzag. Comme on sait si bien le faire. Il y a un mec là. Attends, on va voir si c'est pas un étron. Merde. Oh, il s'est suicidé. Et que c'était pas le français, c'est pour ça que j'ai pas tiré. Il s'est déconnecté. C'est pas le français? Putain, je sais plus. Oh, j'étais quand même loin de la grenade. J'ai pas trop compris. Bon. Et je sais plus si c'était le français ou... qui m'a dit ne me tue pas, putain. Je... bon donc du coup, putain, mais j'étais loin de la grenade quand même. Je me suis dit tranquille. Bon ben non. Bon mais dommage, on a perdu du stuff pour rien. Et en plus je l'ai même pas tué. Du coup je croyais que c'était, j'ai voulu voir le pseudo en me rapprochant. Ah et ouais mais voilà voilà. Bon. C'est chiant, il faut pas tuer des gens, on sait pas si... on sait pas si on peut les tuer ou si on peut pas. Du coup, il faut se rapprocher, après finalement, c'est un mec qui voulait te tuer. Je crois que certains se disent déjà... Marteau. Dans le doute. Tue tout le monde. Et ben lui, on sait au moins, tu vois... Yo! Vu qu'il y a écrit FR, on sait que c'est un français. Il me donne un arc. Il est gentil. Mais je vais claquer mon starter. Et voilà. Ah, ça t'embouche un coin, hein? putain, mais je crois que c'était pas un français celui que t'es tout à l'heure, là. Je suis con. Ok. Bon, t'as pas de micro. T'as pas de micro. Suis-moi. Si tu veux. Ok. Alors. T'as tout looté ici? Y'a plus rien? Ça, je pense que quand tu sautes, ça veut dire oui, c'est ça? Ok. On va aller par là-bas alors. Putain, on retourne là où on était. On était où au fait? Ah, on est à la base militaire, ok. Bon. Est-ce que j'ai un truc à lui donner? Non, j'ai rien à lui donner. Donc j'ai mon petit acolyte avec moi qui n'a pas de micro apparemment. C'est pas grave, il communique avec les signes, il peut pas aussi taper avec son clavier apparemment. C'est bien, je me... C'est un peu comme...
C'est Zoro, quoi. J'ai Bernardo avec moi qui me fait des signes, il saute pour me dire oui. Et je pense qu'il s'allonge pour me dire non. En tout cas, ça sera le code que je me serai inventé pour lui. Est-ce qu'il est toujours là? Il est toujours là. Où est-ce qu'on va? C'est la bonne question. Est-ce qu'on retourne dans cette ville? On va aller dans la ville là-bas. Donc là, je lui parle avec le micro ouvert in-game. On va traverser en faisant attention de ne pas se faire écraser. Je jette toujours un coup d'œil sur mon petit Coupeng. Coupeng. Coupeng! Coupeng est là. Et il me suit, il est bien, il est frais. Il a un arc. Il a un arc. À tout moment, il peut tuer quelqu'un comme ça, en un coup d'œil. On n'a pas d'armes de mêlée, ça c'est ballot. Ça c'est ballot. Je pense que là, on va rapidement trouver une petite... un pancho. Une bouteille d'eau périmée. Où est coupé? Coupé! Ah! Voilà, ça c'est bien ça. Un club. On va aller l'aider. Je pense qu'il a pris l'aggro. Coupé! Coupé est là. Ouais, voilà, Coupeng, il veut que je l'aide et que je bute. Oh putain, oh putain, calme-toi. Me mange pas les jambes, me mange pas les jambes. Voilà. On va à la pharmacie. C'est bien parce qu'en plus, s'il y a d'autres gens qui savent parler français ou qui comprennent un peu, eh ben on se fait repérer et du coup, les mecs savent qu'il y a quelqu'un dans le... Et sur le serveur, quoi. Enfin, dans la ville. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais prendre les... Je vais prendre des antibiotiques, comme ça m'enlève la... C'est lui. Oh putain, il m'a un peu cagué. Il a un marteau. Oh le coquin, il a un marteau. Tu as combien de vie? Tiens, prends ça, ça te servira. On va prendre les rags. Oh putain, il a... Ouh, le Alice Pack. Ou le Coyote Pack. Bravo. On va prendre ça aussi. J'ai une arme de mêlée. J'ai pas de bouffe. Prendre de la bouffe. Hop. J'ai envie de m'habiller en chef. Ouh, ouh. Ok. Un marteau avec un cœur. Eh ben oui, mais moi aussi. Hein. No space, ok. Et voilà, je leur fais un signe d'amour, moi aussi. Après, si vous êtes trop nombreux, on pourra plus tuer personne, hein. Ce qui peut être un peu dommage. Ce qui est quand même trépidant, c'est de tuer des gens, ça va. Ouais, ça va. Ça va, chaud patate. Alors, qu'est-ce que, bon, ça on va le jeter, voilà, on a... Ok. On va à la ville. Attends, une mâche. On va à la ville avec le bateau. Donc je suis avec mon acolyte qui s'appelle Baptiste. Voilà, c'est si bien de repérer les noms. Au moins, quand tu croises le gars, tu te dis pas, je vais tuer mon pote. Comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, je voulais remplacer ça par ça et jeter ça. Ok, let's go! On y va. On a un fusil. Il a une arme, lui, non? J'ai pas d'arme pour lui, c'est vrai. On fonce.
On fonce, on monte là-haut. Oh putain, il y a un mec en face. Il y a un mec en face tout nu. Qui est sur la colline. Vous voyez là-bas? On va le laisser tranquille. Par contre, il y a un mec avec un pistolet en bas. Oh, il attire sur des zombies, mais il est fou. Il y a un mec dans la ferme. On va lui tirer dessus. Oh putain. Oh, j'ai tiré à l'aveuglette. Hein. Mets-moi la hache. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, il est bien stuff. Qu'est-ce que je fais? Mais sors ton arme, prends un truc. Mais prends ton arme, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Recharge. Et voilà! La réputation plus un. Par contre, mon copain est mort. Oh! Mais est-ce que c'est pas un bien pour un mal? Tu me donnes ton marteau. Et ton sac. Bon, je t'ai vengé, Coupin Baptiste. Waouh. Le mec était drôlement bien stuff. On va vite récupérer les trucs, les grenades. Ça, c'est plus par prévention pour pas que quelqu'un d'autre les récupère. Le kit de MRE. Ça, il faut le prendre. N'oubliez pas de bouger quand vous lootez. Pour pas vous faire tirer dessus. Je récupère le marteau. J'en ai 12 de 1000. C'est qui qu'on a tué au final? C'est Yuri San. Ok, c'était pas un français. Donc voilà, on a fait notre bonne action. C'est vrai qu'à l'avance, on pouvait pas savoir. J'ai plus de place. Ok. On prend les lunettes. Ok. Des marteaux, on en a 12 000. C'est pas grave. On va dropper la hache. Ça, on le met là. On se met un kit de soin ici. La bouffe, on va la manger. On prend le chargeur. On prend le pistolet. Il avait quoi comme arme? Il avait un flingue. Il avait un gros canon, non? Ça doit être un Colt. Ouais, ça doit être un Colt. Ça tire encore là à côté. Euh, 7-7-7, ok. 7-7-7-7. 7-7-2. Ah ça je vais le mettre. Ok. Ouais, hop, tac 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 tac. Je prends ça, je drop ça. La grenade, on va la mettre en raccourci. Les pistolets, on va... on va les dropper, hein. Ah, c'est... Ah, d'accord. Il avait celui-là avec le suppresseur et le viseur. Ce qui n'est pas trop mal. Ça zoome un peu. Il a un silencieux dessus. D'accord. Ok, c'est pas si dégueu que ça. Donc, du coup, c'est celui-là. On va le mettre à la place de celui-là. Celui-là... C'est compliqué, hein. Celui-là, on va enlever le chargeur. Et on va le dropper. Celui-là, on le récupère. Et on s'aperçoit qu'il y a un chargeur à 2. Le chargeur à 2, on va le recharger. Et on saura bien. Ok. Fait un peu de place. Ok. Voilà. On est bien, non? Bon, ça zoome un peu quand même, c'est pas mal. Puis on voit un peu mieux.
Bon. Le mec, peut-être qu'il va revenir. Bon, là, ça tire. Bon, écoutez, les gars, j'ai envie de vous dire que ça va être la fin de ce Let's Play PVP. Je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce like. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, que ce soit les épisodes RP, le Let's Play PVP, l'actu de 3.0, tout ça, tout ça. Beaucoup de contenu a été ajouté sur la bêta 3 et ça semble tout proche pour Noël ou le jour de l'an. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouvel épisode PVP. Et là, regardez, sur le prochain épisode, ça va, ça va, ça va, ça va chier. C'est bizarre. Bon, assez perdu de temps, on y va. Qu'est-ce que c'est? Faut que je me trouve une bagnole, celle-là. On va voir si elle est ouverte. Putain, c'est...